Activité du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avec tout d'abord cette visite de chantier de la route Amboué-Port-Gentil et le nouveau stade en construction dans la capitale économique du Gabon. Presse présidentielle. À l'entame des visites sur le terrain, la route Amboué-Port-Gentil et le pont sur le Goué au village Ozouri. Le chef de l'État est allé voir l'avancement des travaux. Sur ce premier site, la route démarrée en mars 2014 sur un linéaire réel de 95 km, y compris les deux ponts, avance. À ce jour, la réalisation des travaux est de 43% sur un délai restant de 34 mois sur 60, d'après les statistiques de la société China Roads and Bridge Corporation. Autre chantier visité par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, la construction du nouveau stade de Port-Gentil, qui va abriter quelques matchs comptant pour la CAN 2017. Selon la société chinoise de construction, l'ouvrage est à 80% de sa réalisation. Il est construit dans le 4e arrondissement de Port-Gentil et a une capacité de 20 000 places, 20 loges VIP, des loges présidentielles, 4 vestiaires, une salle de conférence, un espace presse et plusieurs autres installations faites aux standards internationaux, hormis les infrastructures annexes. Les travaux qui ont démarré en août 2015 comptent s'achever avant le début de la CAN prévue pour janvier 2017 au Gabon. L'avancement des travaux des deux chantiers est louable.